Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Niger. Le Niger est un pays d'Afrique de l'Ouest situé entre l'Algérie, le Tchad, la Libye et le Nigeria. Sa capitale est Niamey. Elle se trouve à l'extrême ouest du pays. Elle est traversée par un fleuve, mais les problèmes liés à l'approvisionnement en eau sont toujours présents. Le pays possède le taux de fécondité le plus élevé au monde, avec 7,6 enfants par femme en moyenne. Le 90% de la population travaille dans le secteur primaire, alors qu'il n'émet que 40% du PIB. Cela démontre la faiblesse des autres secteurs et la dépendance de ce pays face au prix du marché agricole. Le PIB est de 700 $ par habitant. Le pays figure dans les derniers de la planète en matière de développement humain. La situation géographique du Niger fait de lui un carrefour d'échanges entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Le Niger s'étend sur 1 267 000 km, soit 30 fois l'aire de la Suisse. Le 80% de son territoire est recouvert de déserts. De plus, celui-ci avance de 2 millions d'hectares par année, soit la moitié de la Suisse. Depuis 1990, la forêt ne couvre plus que 1% du pays. La reforestation se heurte aux fréquentes sécheresses et à la demande croissante en bois. Le Niger dispose de mines d'uranium, les principales sont en rouge, dont la plus grande d'Afrique. Il y a aussi des mines de charbon exploitées à ciel ouvert, en blanc, et des réserves de pétrole. Il y a un manque d'infrastructures de qualité et de masse. Il n'existe aucune voie ferrée et seulement 2 aéroports internationaux, ce qui freine le développement du pays. Nous vous remercions d'avoir visionné notre vidéo et pour des informations complémentaires, nous vous invitons à lire notre article.